Je peux circuler en feu de croisement, A, en feu de route, B, en feu de route accompagné des feux de brouillard avant, C. Circulant de nuit, seul sur une route non éclairée, vous devez rouler en feu de route. Comme vous circulez sur une route sinueuse et étroite, vous pouvez compléter ces derniers par les feux avant de brouillard. Je vais tout droit. Je cède le passage. À la voiture? Oui. A. Non. B. À la moto? Oui. C. Non. D. Lorsqu'un feu jaune clignote, je dois tenir compte des mêmes règles de priorité que s'il n'y avait pas de feu. Je rencontre un panneau de céder le passage. Je dois donc laisser passer tous les usagers débouchant de la chaussée transversale, qu'ils viennent de gauche ou de droite. Par conséquent, je céderai le passage à la voiture de droite et à la moto de gauche. Je cède le passage à la voiture de gauche. Oui, A. Non, B. À la voiture de droite. Oui, C. Non, D. Vous n'abordez pas un carrefour à sens giratoire. Si c'était le cas, vous rencontreriez la signalisation « Cédez le passage ». Comme aucune signalisation de priorité n'est implantée sur ce carrefour, vous devez appliquer la règle de la priorité à droite. La voiture de gauche doit vous laisser passer, mais vous devez céder le passage à la voiture qui vient de droite. Le covoiturage permet de réduire les embouteillages? Oui. A. Non. B. Les problèmes de stationnement? Oui. C. Non. D. Le covoiturage consiste à transporter plusieurs personnes dans un même véhicule. Cette pratique permet entre autres de réduire le nombre de véhicules en circulation et donc les embouteillages ainsi que les problèmes de stationnement. Je tourne à droite et aucun véhicule ne vient de gauche. Je maintiens mon clignotant droit allumé. A. Je m'arrête. B. Je ralentis et je passe. C. En présence d'un panneau de « Céder le passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur la ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le conducteur de la voiture blanche qui vient de droite a signalé son intention de dépasser. Il a le droit de le faire puisqu'il bénéficie de la priorité. Par conséquent, vous devez vous arrêter pour le laisser passer. N'ayant pas renoncé à tourner à droite, vous maintenez votre clignotant allumé. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état
ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs sonores et lumineux. Dans cette situation, le véhicule de police a ses gyrophares allumés. Vous devez donc vous arrêter sans tenir compte du panneau vous donnant la priorité. Je prête ma voiture à un ami. Je peux être sanctionné s'il fait un excès de vitesse. Oui. A. Non. B. S'il ne respecte pas la distance de sécurité. Oui. C. Non. D. Les radars automatiques permettent la constatation de certaines infractions sans interception du conducteur. Dans ces conditions, c'est le propriétaire du véhicule qui devra payer l'amende. Si je prête ma voiture à un ami qui commet un excès de vitesse ou ne respecte pas les distances de sécurité, je serai sanctionné, sauf si j'établis la preuve que ce n'était pas moi qui conduisais. Sur l'étiquette énergie, la couleur des véhicules le moins polluant est verte, réponse A, jaune, réponse B, rouge, réponse C. Alors, comme on peut voir, donc qu'on achète un véhicule neuf, on a une étiquette d'énergie qui va le préciser. Donc justement, si le véhicule pollue ou pas, et donc c'est référencé par des lettres et des codes de couleur. Donc forcément, quand le véhicule est pas très polluant, on va virer donc sur la couleur verte. Forcément, et la couleur rouge, forcément si le véhicule pollue beaucoup. Donc là, on nous demandait le véhicule le moins polluant. Donc c'est la couleur verte. Bonne réponse, A. Oui, A. Non, B. La ligne de rive continue à gauche et le panneau de limitation de vitesse à 110 km/h m'informe que la chaussée est à sens unique. Mais comme une voiture, visible dans le rétroviseur, occupe déjà la voie de gauche, je ne dois pas dépasser le véhicule qui me précède. Question numéro 10. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau à fond noir signale un lieu-dit. Lorsqu'aucun panneau d'imitation de vitesse ne complète le panneau de lieu-dit, c'est la règle générale qui s'applique. Ainsi, hors agglomération, lors de la traversée d'un lieu dit, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Toutefois, à l'approche de lieu d'habitation, je ralentis par mesure de sécurité. De plus, l'état de la chaussée nécessite d'adapter l'allure. Bonne réponse, B et D. L'utilisation intensive de la climatisation a un impact économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écologique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, la climatisation, ça fait forcément consommer beaucoup plus de carburant.
Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de l'utiliser quand il n'y a pas besoin. Donc c'est comme ça qu'on ne sent plus de carburant. Forcément, c'est un impact économique parce qu'on va consommer plus. Donc il va falloir payer forcément plus de carburant. Donc bon, réponse 1. Comment consommer plus de carburant? Forcément, on va polluer plus. Donc ça a un impact aussi écologique sur l'environnement. Donc bon, réponse A et C. Question numéro 12. Le stationnement à droite est à durée limitée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Payant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage de couleur bleue sur la chaussée précise les emplacements où le stationnement est autorisé, gratuit, mais limité dans le temps. Le conducteur doit signaler son heure d'arrivée et de départ par un disque de stationnement placé en évidence derrière le pare-brise. La durée du stationnement est limitée à 1h30. Bonne réponse, A et D. Question 13. Le marquage au sol me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il annonce une ligne continue. Réponse C. Une interdiction de dépasser. Réponse D. La ligne de dissuasion est ici complétée par des flèches de rabattement. Lorsque la pointe de ces dernières est orientée dans votre sens de circulation, elle vous concerne. En règle générale, au nombre de 3, elles indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue infranchissable qui vous interdira d'effectuer tout dépassement. Réponse A, C et D. Question 14. Je dois marquer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à gauche et à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les ronds-points sont équipés de panneaux « Cédez le passage » qui ne vous obligent pas à marquer l'arrêt sauf si un véhicule arrive sur votre gauche. Contrairement au panneau « Stop », l'arrêt n'est pas systématique. Vous n'aurez pas à céder le passage à droite, sauf cas de danger, mais uniquement au véhicule déjà engagé sur l'anneau, c'est-à-dire venant de gauche. Réponse B et D. Question numéro 15. Durant le temps de réaction, le véhicule continue à la même allure, réponse A, ou ralentit, réponse B. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour percevoir une situation, traiter l'information et prendre une décision. En moyenne, il faut 1 seconde pour réagir. Durant le temps de réaction, la voiture continue d'avancer à la même allure, puisque le conducteur ne freine pas. Bonne réponse. A. Question numéro 16. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 80 km/h, réponse C. 90 km/h, réponse D.
Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h sur l'ensemble du réseau routier national. Bonne réponse. Question numéro 17. Où se situe le danger le plus important si je continue tout droit? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores. Je me suis engagé dans l'intersection. Le feu est donc vert sur cet axe de circulation. Les usagers venant de gauche et de droite rencontrent un feu rouge. Le véhicule rouge à droite est arrêté au feu. L'usager devant moi tourne à droite. Cet usager en face a indiqué son intention de tourner à gauche. Pour cela, il doit traverser ma voie de circulation. Avant de continuer tout droit, je m'assure que cet usager va bien me céder le passage avant de s'engager. Bonne réponse, C. Question 18. Je peux circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu avant de brouillard. Réponse C. Je circule hors agglomération par temps de pluie avec une visibilité très réduite. Afin de mieux voir et d'être vu des autres usagers, j'utilise les feux de croisement. Les feux de position seul seraient notoirement inefficaces. Si mon véhicule en est muni, je peux aussi utiliser les feux avant de brouillard, en complément des feux de croisement, sans que cela soit toutefois une obligation. Réponse B et C. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. À l'approche de ce virage sans visibilité, une manœuvre de dépassement serait particulièrement dangereuse. En effet, elle m'exposerait à un risque de collision avec un véhicule qui viendrait en sens inverse. Je ne dois donc pas dépasser la camionnette. Question 20. Je suis bien placé pour prendre la direction de Bordeaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. De Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive à une sortie d'autoroute. Je dispose de trois voies en direction de Bordeaux, comme l'indiquent les flèches dans le panneau bleu. Les véhicules qui circulent à ma gauche ont déjà choisi leur direction et ils ne peuvent pas se rabattre à droite à cause de la ligne d'avertissement. Placé où je suis, je peux donc continuer tout droit en direction de Bordeaux ou prendre la sortie vers Castres. Réponse A et C. Question numéro 21. Ce piéton souhaite accéder à son véhicule. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre minimum. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La présence de ce piéton doit attirer mon attention. Il est très vulnérable, je dois donc anticiper ses déplacements et conserver une distance de sécurité. L'intervalle de sécurité à respecter est de 1 mètre en agglomération et de 1,50 m hors agglomération. Je ralentis en respectant cette distance entre le piéton et mon véhicule. Bonne réponse, A et C. Question numéro 22. Je ralentis et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Lorsque des piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois leur céder le passage. Je m'arrête pour laisser passer cette personne âgée avançant sa canne. Bonne réponse, B. Question numéro 23. Je suis bien placé si je circule à 80 km/h? Oui, réponse A. Non, réponse B. À plus de 80 km/h? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, pour ne pas gêner les autres usagers, il est interdit de rouler à une allure anormalement réduite sans raison valable, et quelle que soit la voie de circulation empruntée. Sur la voie de gauche, les usagers doivent circuler au moins à 80 km/h lorsque les conditions de circulation sont excellentes. En revanche, je dois, en marche normale, circuler dans la voie de droite. Bonne réponse, B et D. Question 24. J'accélère. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Le feu jaune annonce le feu rouge. Je dois donc m'arrêter. Cependant, une tolérance est accordée quant au franchissement du feu jaune si la situation de conduite présente un danger. Par exemple, lorsque le conducteur est trop près des feux pour pouvoir s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Dans le cas présent, j'ai suffisamment d'espace pour ralentir et m'arrêter sans risquer un accrochage avec l'usager qui me suit de près. Réponse B. Question 25. En cas d'incendie, il est préférable de faire demi-tour. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas d'incendie, il faut immobiliser votre véhicule le plus à droite possible ou dans un emplacement d'urgence. Il faut ensuite évacuer par l'issue de secours la plus proche, signalée par des panneaux ou un marquage sur la paroi du tunnel. Réponse B. Question numéro 26. Je vais tout droit. Je cède le passage à la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bande blanche devant la camionnette matérialise l'endroit précis où celle-ci doit s'arrêter. Elle vient en complément du panneau Stop. Je peux donc franchir l'intersection sans céder le passage, mais en m'assurant d'avoir été bien vu et bien compris par le conducteur de la camionnette blanche. Bonne réponse, B.
Question numéro 27. La vitesse est limitée à 40 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. Elle s'applique à cette seule rue. Réponse C. À toutes les rues. Réponse D. Ce panneau indique une entrée d'agglomération. La vitesse y est limitée à 50 km/h, sauf indication contraire. Ici, un panneau d'interdiction limite la vitesse à 40 km/h. Placé sur le même support que l'entrée d'agglomération, cette limitation de vitesse s'applique à toutes les rues. Bonne réponse, A et B. Question numéro 28. Immédiatement à droite, je peux faire descendre un passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne jaune en zigzag signale un arrêt de bus. Il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur les emplacements réservés à l'arrêt des bus. Faire descendre un passager est considéré comme un arrêt. Je ne peux donc pas faire descendre mon passager immédiatement à droite. Bonne réponse, B et D. Je veux tourner à gauche. Je cède le passage à la voiture bleue. A. À la voiture rouge. B. À la voiture blanche. C. Comme le feu est jaune clignotant, je tiens compte de la signalisation de priorité. Le panneau en forme de losange indiquant que je suis sur une route à caractère prioritaire, je ne cède pas le passage à la voiture blanche qui vient de droite ni à la voiture rouge qui vient de gauche. Ces deux véhicules rencontrent obligatoirement un stop ou un céder le passage. Comme je tourne à gauche, je dois céder le passage à la voiture bleue en face car elle circule également sur la route prioritaire. Question 30. Dans cette forte descente, j'utilise le frein moteur. Réponse A. Je freine par pression intermittente. Réponse B. Je freine d'une manière continue. Réponse C. Pour maîtriser mon véhicule dans cette descente à forte déclivité, je dois utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrograder une vitesse et obtenir une allure stabilisée, et freiner par pression intermittente. L'utilisation excessive et continue du frein principal peut provoquer un échauffement anormal des disques et des garnitures pouvant aller jusqu'à la rupture. Réponse A et B. Question 31. La signalisation interdit le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, dont les voies sont séparées par une ligne continue. Je n'ai pas le droit de la chevaucher ou de la franchir pour dépasser. D'autre part, ma voie de circulation est aussi bordée à droite par une autre ligne continue. Je ne suis donc pas autorisé à utiliser l'accotement pour stationner. Réponse A et C.
Question 32. En cas d'incendie, les issues de secours doivent rester ouvertes pour favoriser l'évacuation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un abri comprend un sas pressurisé, fermé de deux portes coupe-feu, qu'il est impératif de maintenir fermé pour garantir une protection optimale contre la chaleur et les fumées toxiques. Réponse B. Question numéro 33. Pour tourner à gauche, je reste où je suis? Réponse A. Où je chevauche la ligne centrale? Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Je dois donc serrer l'axe de la chaussée pour tourner à gauche, c'est-à-dire circuler près de la ligne médiane, mais sans empiéter sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, d'autant plus que la ligne est continue. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche dans cette intersection. Bonne réponse. A. Question numéro 34. Je peux stationner sans feu? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'éclairage public permet de rendre le véhicule visible à une distance suffisante. De plus, je stationne en dehors des voies de circulation. Je peux donc stationner sans feu. Bonne réponse. A. Question 35. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'intersection annoncée, je passerai sans céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce signal annonce une priorité ponctuelle au prochain carrefour. Ne pas le confondre avec le panneau qui signale et jalonne une route à caractère prioritaire et qui se présente comme ceci. À l'intersection annoncée, et à celle-là seulement, les usagers débouchant des voies adjacentes devront donc me céder le passage. Réponse B et C. Question 36. Je peux laisser mon véhicule sur l'emplacement de droite au maximum 15 jours. Réponse A. 7 jours. Réponse B. 2 jours. Réponse C. D'une manière générale, le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même endroit sur la voie publique ne peut excéder 7 jours. Passé ce délai, le stationnement est considéré comme abusif. Toutefois, en agglomération principalement, ce délai est réduit dans certaines zones. Une signalisation appropriée indique alors aux usagers les conditions du stationnement. Ici, où aucune signalisation n'est en place, la durée est 7 jours. Réponse B. Question numéro 37. En plus des feux de croisement, je peux allumer les feux de brouillard avant? Oui, réponse A.
Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Partant de fortes pluies, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant de brouillard. Ces feux projettent une lumière puissante et large, mais non éblouissante. En revanche, l'utilisation des feux de brouillard arrière est interdite par temps de pluie, car ils émettent une lumière rouge puissante et donc gênante. Bonne réponse. A et D. Question numéro 38. Le dépistage de stupéfiants peut être effectué lors d'un contrôle routier? Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'accident matériel? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépistage de la présence de drogue est obligatoire en cas d'accident mortel. Les forces de l'ordre peuvent aussi pratiquer un dépistage en cas d'accident corporel ou même matériel. Ce dépistage peut aussi s'effectuer en cas d'infraction pouvant entraîner une suspension du permis de conduire. Ou encore lors d'un contrôle routier, s'il existe à l'encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. Bonne réponse. A. Et C. En attendant l'arrivée des secours, je couvre cette victime. Oui, A. Non, B. Je lui parle. Oui, C. Non, D. Après avoir alerté les secours, je m'occupe de la victime en faisant au mieux ce que je sais faire. Comme une personne blessée a facilement froid, je la couvre. Si je possède une couverture de survie, c'est encore préférable. Je parle à la victime pour m'assurer qu'elle reste consciente et la rassurer. Question 40. Le contrôle technique d'un véhicule neuf s'effectue 6 mois avant la date anniversaire de sa 2e année. Réponse A. De sa 4e année. Réponse B. La fréquence des visites suivantes est de 2 ans. Réponse C. 3 ans. Réponse D. Les véhicules de tourisme sont obligatoirement soumis au contrôle technique avant la fin de la 4e année qui suit la date de leur première mise en circulation. Par la suite, la périodicité de ces visites est de 2 ans. Attention cependant, ces visites doivent avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent les dates limites. Réponse B et C.